La Flèche Wallonne, ça c'est une course que vous appréciez quand vous étiez coureur. Oui, très très belle course. Mais plus la même malgré tout. Le fait d'être passé de 200... 60, De, oui. 140, 260 à 200. Ouais, on a un peu. On l'a un peu émasculé. Là, tout est un peu bien impacté, bien. Et c'est presque trop bien ficelé pour être. Enfin, je sais pas. Est-ce que Parce ça... que la sécurité, parce que si, parce que ça. De toute façon, on va pas revenir en arrière. Ah, si, c'est intéressant d'avoir votre avis. Mais en On même est allé trop temps, loin dans ben cet oui, aspect sécuritaire? il faut de la sécurité, c'est mieux que d'avoir des mecs qui finissent à l'hôpital. Mais en même temps, à l'inverse, on a en partie détruit le mythe, du forçat de la route. Hein. On le détruit chaque jour un peu plus. Il y a l'assistance radio, oui, je roule, oui, non, je ne roule pas. Ralentis, t'as ton copain qui rentre derrière. Y a plus, toi. Merde, il ne se posait pas ces questions-là. Il dégoupillait, il mettait en route, hein, quand il en avait envie, même si c'était loin de l'arrivée. Il faut que l'homme reste maître de la situation, et là, on est rentré dans des trucs trop, enfin, de plus en plus stéréotypés, mais c'est pas propre au vélo, hein, c'est vrai dans tous les sports. On a perdu ce côté magie, aventure, qui était le nôtre là, pendant très longtemps. Si on revient à la Flèche Wallonne, ça rend pas finalement cette course plus facile à gagner pour autant. Ben, pas forcément plus facile à gagner, Est-ce qu'elle vous a mais. fait vibrer parfois quand même, avec vos coureurs, je sais pas, Pas trop. le Mével échappé une année, Non, franchement, pas trop. Anthony Roux l'année dernière? Ouais, mais sans plus. Faut être honnête, sans plus. Belle course, hein? Belle course, j'ai envie d'y être, j'ai envie de la faire le mieux possible. Si on pouvait la gagner, ce serait formidable. Mais il manque un truc, quoi. Il manquera toujours un truc. Alors, si on la gagne, ça devient, oui, ça devient référence dans la vie de la maison, mais voilà, quoi.